rouge à lèvres est moche, on est d'accord. Bon, je vais le changer. Ouais. Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler make-up dans cette vidéo parce que vous avez été très nombreux à me demander ce que j'utilisais comme maquillage, si c'était vegan, si c'était bio, si c'était cruelty free, tout ça, tout ça. Mais là, j'ai décidé en fait de vous faire une vidéo dédiée à une marque que j'aime et que j'admire particulièrement parce qu'elle est vegan et cruelty free. Je vais vous parler de la marque You Are Cosmetics. C'est 100% vegan et 100% cruelty free, donc ça, c'est vraiment ce que je mise pour le maquillage. J'avoue que pour tout ce qui est autre, je mise le bio, mais par contre pour le maquillage c'est trop compliqué, trop cher de trouver du bio. Du coup je me fixe vraiment cet objectif, faut que le maquillage il soit vegan et cruelty free. J'ai reçu une petite dizaine de produits de la marque de You Are Cosmetics. Je ne suis absolument pas payée pour parler, je peux dire absolument tout ce que je veux, je vais vous dire ce que j'ai pensé réellement des produits. Il y en a qui m'ont plu, il y en a qui m'ont pas plu, donc je vais vous faire un petit top ou flop. Je crois qu'on va commencer d'abord avec les petits fonds de teint. On m'en a envoyé deux, il y en a un que je préfère et il y en a un que j'aime un petit peu moins. On m'a envoyé celui-ci. Alors je le trouve super pratique avec la petite pipette, je l'utilise tous les jours. Autant je trouve que la petite pipette c'était pas vraiment nécessaire, vous voyez. Mais ça peut être intéressant pour s'en mettre voilà, vraiment dans des endroits localisés, sachant que moi j'ai beaucoup de rougeurs ici en fait. Je me suis remise au fond de teint parce que j'en mettais plus, mais j'en pouvais plus de mes petites rougeurs, du coup c'était l'occasion parfaite. Ici il est bien, alors attention pour les personnes qui ont l'habitude d'avoir un fond de teint assez liquide. Celui-ci il est assez crémeux quand même, mais il suffit de bien l'étaler, il n'y a aucun souci. Les couvrant en fait comme je le souhaite, c'est-à-dire qu'on voit quand même un petit peu mes rougeurs, mais j'en mets pas 3 tonnes non plus, je passe vraiment une seule couche avec le pinceau et c'est tout. Ensuite pour le deuxième fond de teint qui est un petit peu plus clair, je l'ai trouvé moins bien. Déjà il y a ça qui part vraiment très vite, ça s'accroche pas trop. C'est un système de pompe, vous voyez, j'aurais dû prendre la couleur un tout petit peu plus foncée parce que là ça fait vraiment très très blanc sur moi. Et attention parce qu'il est aussi très crémeux, mais je trouve qu'il a un peu moins le fini mat de l'autre. Ok, des fonds de teint, si vous devez en choisir un, je vous mettrai bien sûr les prix. Est-ce qu'on... Attendez, j'ai pas encore parlé des prix qui sont extrêmement bas pour du vegan et du cruelty free. J'ai jamais vu ça vraiment. C'est pour ça aussi que je voulais vous en parler, parce qu'ils sont complètement abordables. En tout cas si vous devez choisir entre les deux, prenez celui-ci, parce que celui-ci, à moins que vous aimez vraiment avoir le teint assez glowy, que ce soit pour des photos et tout, celui-ci a quand même un fini un petit peu plus mat selon moi. Ensuite on va parler de la petite palette qu'ils m'ont envoyée. Alors je l'avais pas demandé, mais ils l'ont mis dans mon colis comme ça parce que ça fait partie des best-sellers en fait, c'est ce qui se vend le mieux. Voici comment il se présente, on a deux petits highlighters et quatre fards mat ici. Celui-ci je l'ai utilisé pour creuser mes joues, j'utilise un petit peu plus. Par contre les autres fards, je vous avoue que je sais pas vraiment quoi en faire. Je suis pas la reine du make-up, hein, ça je pense que vous le savez, j'ai jamais fait de tuto make-up sur ma chaîne. Regardez, n'empêche, sans lunettes, genre mon fard à paupières qui ressort de ouf, et avec lunettes, c'est un truc de malade en vrai. On voit que dalle, en plus j'ai le reflet, bref, c'est la base. C'est la base. Si vous voulez commencer le make-up, franchement, allez-y, foncez. Et puis c'est vraiment pas cher, c'est légal. Ensuite, on va parler sourcils. Alors je sais qu'on les voit pas très très bien. Vous avez été nombreux à me dire qu'en fait, je les faisais beaucoup trop foncés. C'est vrai qu'avant, en fait, je les faisais avec de la pommade noire. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je parle de toutes les colorations par lesquelles je suis passée. Je vous le mettrai dans le petit... à chaque fois j'hésite, mais je crois que c'est là. Tout ça pour dire qu'à un moment j'avais les cheveux noirs, du coup j'avais acheté une pommade noire et ça me faisait chier de la jeter pour racheter une pommade marron ou rousse, vous savez. Et du coup j'essayais de la terminer. Tout le monde me disait, mais tes sourcils sont trop foncés, gna gna gna, comment tu les dessines? En tout cas, moi j'aimais bien à ce moment-là. Votre avis m'importe pas énormément. Et du coup, comme l'occasion s'est présentée, j'ai décidé de me prendre une pommade marron, vous voyez, comme ceci. Et maintenant, je l'ai fait qu'en marron. À la base, c'est un gel de liner, mais je comprends pas pourquoi ils l'ont pas mis en pommade, en fait. Parce qu'elle est trop bien en pommade aussi, en pommade pour sourcils. Elle tient super bien, c'est la teinte brun. Genre, regardez mes petits sourcils, comme ils sont cute, moi je kiffe. Je kiffe, ils sont trop beaux. M'envoyez ça aussi, c'est trop cool, en fait. Donc ça, c'est le petit goupillon pour les brosser juste avant. Et là, vous avez plus qu'à tourner. Ça, ce truc, je m'en passe plus. C'est vraiment pour rectifier la ligne de vos sourcils. Bah, franchement, trop trop bien. Ensuite, on va passer à la partie bronzer blush un petit peu. Donc, on m'a envoyé celui-ci. Je l'avais commandé, je l'avais demandé. En fait, je voulais vraiment le tester. Alors, il est top. Regardez comment il est. Moi, j'adore la couleur déjà. Vous savez, quand ça tire sur le orangé, moi, j'adore. Alors, par contre, attention, il est très 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 pigmenté. Donc, faut avoir la main légère, sinon ça vous fait une trace orange. Comme là, un petit peu, vous voyez, j'en ai un petit peu trop mis. Et encore, non, ça va encore. Mais la première fois que je l'ai utilisé, parce que moi j'avais l'habitude avec un autre qui était où il fallait creuser quoi pour prendre la matière. Celui-ci, mais faites très attention. En tout cas, ça vaut son prix. Je sais pas combien il est, je vous le mettrai en photo. Mais ça vaut vraiment son prix parce qu'il est super pigmenté. Vous en prenez un tout petit peu.
dans les tons chauds, voilà, on croit que t'as été au soleil, c'est génial. Ensuite, on va parler du blush, sachant que je ne mets pas de blush, ça, on me l'a envoyé alors que je ne l'avais pas demandé parce que ça faisait partie des best-sellers, apparemment, de leur vente. Donc, je l'ai utilisé hier et aujourd'hui pour mon fard à paupières, en fait, parce que je kiffe trop. Je kiffe trop mettre des fards à paupières, je sais pas si vous voyez, je fais un peu la meuf comme ça. Hey. Et du coup, comme je me suis dit je ne mets pas de blush, et bah écoutez, on va le détourner en autre chose, un peu comme pour l'eyeliner, je l'ai utilisé pour les sourcils. J'aime vraiment pas gaspiller, je sais que sinon ça va traîner dans ma salle de bain, donc voilà, je l'ai utilisé comme fard à paupières. Je crois qu'il est vraiment pas cher non plus, en plus il faut qu'on parle vraiment de la pigmentation parce qu'elle est énorme. J'ai même pas besoin de mouiller mes pinceaux pour en mettre en fait, enfin c'est vraiment génial. Ensuite ils m'ont envoyé un petit rouge à lèvres aussi contre mon gré parce que j'en avais pas commandé des rouges à lèvres. Je savais que je n'en voulais pas, ça c'est un petit peu dommage parce que ils m'ont envoyé ça en fait. Si vous me connaissez, vous savez que je vais pas le mettre. Les roses comme ça, c'est pas pour moi, vraiment pas. Encore en fard à paupières, du rose ça passe. Mais en rouge à lèvres, en plus en rouge à lèvres en raisin comme ça, c'est un petit peu dommage. Et j'avais fait exprès de pas en commander parce que je savais pertinemment que je ne le mettrais pas. Donc c'est un petit peu dommage, mais c'est pas grave. Je vais vous faire quand même un petit swatch, c'est un peu dommage parce que je l'ai jamais utilisé, mais c'est juste pour vous montrer pour la vidéo. Ah ouais. Ouais, il est bien mat et il est bien pigmenté, vous voyez. Ouais, j'aime bien, mais pas pour moi en fait. Je sais que ça m'ira pas et je sais que de toute façon, les rouges à lèvres où je sens comme ça, moi je suis trop habituée aux NYX Lingerie, vraiment. Je suis désolée, mais je mets plus que ça. Parce que tout simplement, j'arrive pas à supporter les autres rouges à lèvres, c'est n'importe quoi. Je suis prise dans l'engrenage maintenant. En tout cas, un truc que j'ai trouvé beaucoup mieux que chez NYX, spray fixateur. J'en ai commandé deux pour tester les deux. Alors, il y en a un que j'aime pas et un que j'adore. Alors, peut-être qu'il vous plaira celui que j'aime pas. Je vous explique le problème, ok, ça tient, ton maquillage il tient jusqu'au bout de la nuit si tu veux. Sauf qu'en fait, ça n'a pas de fini mat, c'est vraiment un fini très glowy, donc je crois que je pourrais en mettre si je fais des photos Instagram et tout. Quand je veux vraiment que mon highlighter il ressorte et tout, franchement il est top, il est bien glowy. Mais dans la vie de tous les jours, quand je prends pas de photos, j'ai vraiment pas envie d'avoir la peau un petit peu grasse. Du coup le truc trop bien, c'est qu'ils ont fait un pareil, un spray, mais mat. Et l'effet mat il est vraiment trop bien. Et en comparaison avec les NYX, franchement je suis trop contente parce que le NYX, il coûte 7,50€ pour je crois qu'il y en a même un petit peu moins que celui-ci. Ici il y a 50ml et celui-là je sais plus à combien il est, je vous le mettrai, mais il est beaucoup moins cher et franchement déjà le pulvérisateur est trop bien parce que t'as pas besoin d'en mettre 6 tonnes. Voilà quoi, il tient trop bien, il fait le même job que les NYX mais c'est beaucoup moins cher. Ça reste vegan et cruelty free, enfin voilà. Donc quitte à garder notre argent dans notre porte-monnaie, autant prendre chez You Are Cosmetics. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais reçu et c'est déjà vraiment pas mal. J'avais aussi reçu une palette, je me maquille tous les jours avec elle, je vais vous la chercher. Celle-ci, ça fait vraiment longtemps hein, que je l'ai. Ça fait longtemps, je vous en avais parlé, je sais plus trop dans quelle vidéo, mais c'était, je l'avais trouvée sur Octoly. C'est celle-ci en fait. Je vous avais même dit que c'était nickel pour l'automne avec les tons chauds et tout, donc on n'était même pas encore en hiver. Voilà l'état de la palette. Quelques mois après, voilà, elle est dégueulasse, hein, je suis désolée, mais je l'utilise vraiment tous les jours pour vous dire à quel point... Oh, je me vois dans le retour, coucou. Pour vous dire à quel point c'est de la bonne marque en fait, c'est de la bonne qualité. Donc ce que je fais en fait, c'est que je mets ça comme base, et après, mon préféré c'est celui-ci et celui-ci, le orange. Il est top, franchement. Par contre, pour cela, je mouille mes fards. Je préfère avoir un effet beaucoup plus intense, sachant aussi que je porte des lunettes. Du coup, je veux bien que ça se voit. Franchement, cette palette, elle est top aussi. Je devrais même pas en parler parce que j'en ai déjà parlé. Mais juste pour vous dire que You Are Cosmetics, c'est de la bombe, en fait. Vraiment, c'est pas cher et c'est de la bombe. Je sais même pas comment ils rentabilisent leur truc. Et puis voilà, la boîte, elle est top. C'est pas du carton. Enfin, vous voyez, c'est métallique. Y a aucun souci. Tout ça pour dire que je suis très très contente et que je vous incite aussi à aller commander sur ce site qui ne teste pas sur les animaux, où il n'y a pas de morceaux d'animaux dedans, il n'y a pas de graisse de baleine, tout ce que vous voulez. Et en plus de ça, je sais que vous l'attendez, j'ai un petit code promo pour vous qui s'affichera juste là. Déjà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si il y a une marque qui rivalise avec celle-ci, genre moins chère que celle-ci, qui est vegan et cruelty free. Moi j'ai jamais vu perso, parce que même NYX, je viens de me rendre compte qu'en fait mon piercing il est à l'envers durant toute la vidéo. Je suis désolée. Sorry. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé You Are Cosmetics ou si vous allez commander parce qu'il vous manque des trucs en maquillage et tout. En tout cas, n'oubliez pas de liker, vous abonner, d'aller faire un petit tour sur mon Utip qui sera en barre d'infos. Vous avez juste à regarder une petite pub. Oh, je suis désolée, la luminosité, elle change. Donc vous regardez une petite pub, pas besoin de vous inscrire ni rien du tout. Ça me reverse 5 centimes, donc ça me permet de continuer mon travail décemment, un petit peu plus décemment que ce que YouTube me paye. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.